Venez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Merci. Béni soit Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue. Bienvenue à ICC. Bienvenue dans cette église protestante évangélique. Bienvenue dans le palais de gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Cette année étant une année d'accroissement et d'expansion par. Faut pas oublier le. Faut pas oublier le par. Par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par lui que cette année sera et a été décrétée par sa parole pour nous une année d'expansion. Une année d'accroissement d'abord et d'expansion par le Saint-Esprit. Ça sera ton partage. Ça sera ton partage. 2019 et d'expansion par le 2019, mon année d'accroissement et d'expansion par le 2019, mon année d'accroissement et d'expansion par le. Toutes les fois que tu le dis, dis-le avec foi. Dis-le avec fierté, dis-le avec assurance, dis-le avec audace. Quelqu'un me dit amen. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de méchanceté. Cette atmosphère est une atmosphère qu'il y a sur la terre. Les ténèbres recouvrent la terre. Il faut en être conscient. La terre est recouverte d'immenses ténèbres, c'est-à-dire d'une atmosphère démoniaque. Mais sur son peuple, la gloire de l'Éternel se lève. Autrement dit, quand tu parles la parole de Dieu, il faut être conscient que quand tu parles, ce que tu dis va être établi. Mais pour que les choses s'établissent, tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à dire ce que sera cette année pour toi. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu de ce que ça a commencé déjà pour beaucoup. Beaucoup depuis le mois de janvier ont commencé déjà. Dieu n'a même pas attendu. Votre foi était tellement violente que beaucoup ont déjà commencé une année d'accroissement, d'intensification, de multiplication, d'augmentation. Quelqu'un me dit amen. Avant de commencer la parole du jour, je voudrais vous donner une annonce. Une annonce, vous avez constaté que nous avons les échafaudages dans la salle. Ça veut dire que nous sommes bien, nous avons bientôt terminé nos travaux d'aménagement de l'auditorium. Cette semaine, aujourd'hui, dimanche et dimanche prochain, il y aura encore les échafaudages à l'intérieur. Pourquoi ? Dans deux semaines, tout doit être terminé. Dans deux semaines, tout sera terminé par la grâce de Dieu. Donc dans deux semaines, d'ici le 17, il n'y aura ni échafaudage, ni chaleur. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi nous laissons les échafaudages pour aller beaucoup plus vite. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus vite. Ils sont en train de faire un gros travail. Ils sont en train de faire les travaux d'insonorisation, les travaux de climatisation. Si vous regardez, vous allez voir les tuyaux, les souffleurs partout. D'ici deux semaines, tu vas venir, tu vas dire ah. Pour l'instant, tu dois continuer à faire ça d'abord. Ça ne sert à rien, tu transpires toujours. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça et puis arrêter de transpirer. Donc laisse ta main tranquille, souffre et sois calme. Voilà. Faut faire comme les soldats, comme les militaires ou les policiers. Même quand ça va, même quand ça chauffe, ils sont calmes. Quelqu'un me dit amen. Bon, maintenant, si tu n'arrives pas à te contenir, fais seulement comme ça. Tu vas continuer à transpirer. Gloire à Dieu. Le samedi 16 février, le samedi 16 février à 11h, nous aurons une cérémonie particulière ici au Palais de Gloire. Nous aurons une cérémonie de désignation des assistants pasteurs et d'ordination des pasteurs. Donc je répète, le 16 février, nous aurons ici au Palais de Gloire, dis avec moi le 16 février, voilà, nous aurons une cérémonie d'ordination des pasteurs et de désignation des assistants pasteurs de la famille Impact Centre Chrétien de Brazzaville. Et pour cet effet, le pasteur Mira de Paris, le pasteur Justin de Pointe-Noire seront avec nous afin de bénir, afin de célébrer ensemble. C'est un moment qui se veut solennel, dit amen. Voilà, parce que Dieu établit, Dieu reconnaît, Dieu désigne et Dieu établit. On parlera
de 11h à peu près à 13h. Nous serons là le samedi. Et le peuple est invité à venir soutenir ses pasteurs, ses bergers, ses leaders, ses assistants pasteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu a dit dans sa parole, je leur susciterai, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Quelqu'un me dit amen. Et voilà, donc nous serons là le samedi 16. Vous êtes cordialement invités, solennellement invités pour soutenir et pour encourager les futurs pasteurs et les futurs assistants pasteurs. Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le panier solidaire, pour toutes les contributions, pour notre opération panier solidaire. Je ne sais pas si on vous a donné les chiffres. La semaine dernière, vraiment, Dieu nous a fait du bien. La semaine d'avant aussi. Nous avons eu 4 tonnes de riz. Nous avons eu plus de 1 500 litres d'huile. Et ce matin, et cette semaine encore, que nous achevons, beaucoup parmi nous, nous avons apporté des boîtes de conserve, des boîtes de tomates, des boîtes de viande, de cornebœuf, etc. Ça, c'est les paniers français. Ça, ce n'est pas les paniers congolais. Enlevez-moi vos paniers là. Ça, c'est pas. Au Congo, ce n'est pas ça là. On a dit boîte de conserve. Je vais vous montrer un panier de fruits. Miséricorde. Quelqu'un dit miséricorde. Il faut pardonner les frères de la régie. Ils ne sont pas inspirés. Ils font la pagaille et heureusement que nous sommes là pour les recadrer un peu. Dis amen avec moi. Vraiment la pagaille. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais nous sommes reconnaissants pour les contributions de chaque, des uns et des autres. Tu sais, ne pense pas que la petite boîte de tomates que tu emmènes, elle est inutile. Non, tous les apports, toutes les contributions, tout est utile, tout compte, tout est important. Si quelqu'un me suit, dit amen. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas encore apporté toute cette semaine la permanence du ministère de la solidarité est ouverte. De midi à 15h pour apporter. Même si c'est une boîte de conserve, apporte-la. Apporte-la. Pas pour toi, mais pour tes frères. Apporte-la. Apporte-la. Quelqu'un doit manger en étant nourri de ce que toi tu auras donné. Ouvre ta main, donne aux autres. Dieu te donnera certainement. Ouvre ta main, donne aux autres. Si tu devais manger à la maison, laisse tomber. Emmène ça à l'église. Et à la maison, tu vas connaître la multiplication. Ce sont les principes spirituels que Dieu a donnés. Ce n'est pas moi qui les ai créés. Quelqu'un dit amen. Donc si tu n'as pas encore emmené, emmène mon frère, emmène. Ne te prive pas de la grâce. Cette parole est une parole prophétique. Dieu m'a dit, je vais bénir mon peuple. Or quand Dieu dit, je vais bénir, ça veut dire qu'il faut que tu donnes. À celui qui donne, celui qui sème, il récolte. Dis amen. Dis amen. Alors avant de commencer la parole, je voudrais prendre le temps de bénir Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a rendus capables. Personne ne fait ces choses par lui-même. C'est Dieu qui nous rend capables dans sa bonté, dans sa grâce. Il nous rend capables de donner. Alors pouvons-nous acclamer le Dieu qui nous a rendu capables de donner. Rendons-lui gloire. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour l'aide que tu nous accordes, pour la grâce que tu nous fais de participer à ce projet de panier solidaire. Reçois la gloire, pas nous, mais toi seul. Père, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, tu nous as rendus capables. Tu nous as mobilisés. Nous te rendons gloire. Nous sommes reconnaissants. Celui qui est reconnaissant pour la grâce d'avoir donné, dit amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes en train de parler toujours de notre thème de l'année 2019. Nous sommes toujours et nous serons tous les mois dans ce thème, l'année de l'accroissement et de l'expansion par le Saint-Esprit. Nous avons commencé à voir depuis le début de cette année, poussé et conduit par le Saint-Esprit justement, que cette année en 2019 est une année où Dieu veut intensifier sa gloire, c'est-à-dire il veut intensifier sa présence manifeste. Cette année, Dieu a décidé d'intensifier, de rendre sa présence plus manifeste, plus tangible. On doit savoir et on va savoir que ton Dieu est un Dieu qui est vivant. On doit savoir que Dieu est un Dieu qui est réel. Et les méchants vont savoir que, oh, mais pendant longtemps on a prospéré, c'est parce que Dieu n'avait pas manifesté sa puissance et sa présence glorieuse. Mais cette année, il a résolu lui-même de le faire.
Voilà pourquoi il a instruit son serviteur, ses serviteurs, pour que nous enseignions sur le thème de la manifestation de sa gloire. Dis Amen. Quand Dieu décide de manifester sa gloire, Dieu a dit, éduque le peuple, prépare le cœur du peuple avant que la gloire ne vienne, avant que l'intensification de sa présence ne soit manifeste. Il faut que le peuple de Dieu soit préparé. Il faut que le peuple soit éduqué avant que Jésus ne vienne sur la terre pour faire l'œuvre à laquelle le Père l'avait appelé. Dieu a enseigné le peuple à travers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le précurseur. Il est venu avant Jésus le Christ. Préparer les cœurs. Préparer les cœurs. Avant que Dieu ne fasse quelque chose de bon, de grand, il doit préparer nos cœurs à le recevoir. Sinon, quand il va venir, il va manifester sa glorieuse présence. Beaucoup vont passer à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas su reconnaître. Oh, mais ça, c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu avait déjà dit. Oh, les gars, il faut suivre. Nous devons suivre le mouvement de l'Esprit. Si tu me suis, dis Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de comment faire pour accueillir l'Esprit de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est manifestée par le glorieux Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de la promesse. Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'envoyé de la présence du Père et de Jésus le Christ. Partout où se trouve le Saint-Esprit, se trouve Jésus le Christ glorifié et se trouve le Père. C'est le mystère de la divinité ou encore le mystère de la Trinité. Et Dieu se manifeste par son Esprit. Et là où le Saint-Esprit est, on dit que Dieu est. Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. C'est de venir habiter en nous. C'est de venir habiter avec nous. C'est de venir habiter au milieu de nous. Comment? Par son Esprit. Ne méprisons jamais la personne du Saint-Esprit, car il est Dieu, pleinement Dieu. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire Amen. Donnez-moi le retour, je ne m'entends pas très bien. Donnez-moi un peu de retour, s'il vous plaît. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit. Magnifique et merci, magnifique et glorieux Saint-Esprit. Nous devons apprendre à accueillir la présence du Saint-Esprit. Il vient, il le manifeste, mais nous ne voulons pas seulement qu'il vienne, nous voulons qu'il reste, qu'il prenne plaisir, qu'il déménage, qu'il demeure au milieu de son peuple et qu'il soit heureux d'être avec son peuple. Parce que des fois, quand Dieu est là, nous ne savons pas toujours comment l'honorer. Voilà pourquoi nous parlons de comment on fait pour honorer la présence de Dieu. Mon ami, Dieu est en train de préparer ton cœur afin que quand il va se manifester, il va demeurer en toi. Et chaque jour de cette année, tu vas savoir, mon ami, que Dieu est là. De la même manière que tu prends ton sac pour marcher, tu vas savoir que Dieu est avec toi. De la même manière que tu marches avec ton sac, tu sauras que je ne vois pas Dieu, mais je sais que Dieu est là. Je l'entends me parler, je l'entends me toucher, je l'entends me saisir. Il parlera par toi aux gens, il touchera les malades par toi, il fera du bien par toi. Si c'est à toi que je pardonne, un meilleur Amen. Il manifestera sa grâce par toi parce que sa grâce et sa gloire va devenir de plus en plus intense. Si tu le désires, dis Amen. Et donc, que devons-nous faire pour honorer, accueillir la présence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit? On a vu ensemble que nous devons venir aux réunions en nous attendant à le rencontrer. Dis avec moi, je m'attends à lui. Ah oui, il faut t'attendre à lui. Tu ne viens pas pour écouter le pasteur, tu viens pour entendre Dieu. Tu viens pour rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, entendre Dieu. Même 5 minutes, c'est suffisant pour le rencontrer. 30 secondes, c'est suffisant pour le rencontrer. Il y en a qui l'ont touché pendant quelques secondes. Ils disent, oh, là j'ai touché Dieu. Quelques secondes seulement. Mais le cœur doit être assoiffé pour rencontrer Dieu. Ton cœur doit être assoiffé pour rencontrer Dieu. À chaque réunion, à chaque meeting, à chaque culte, quel que soit. Tant, même à la maison, tu dois t'attendre à rencontrer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons vu ensemble que nous devons rechercher la gloire de Dieu avant la main de Dieu. Rechercher la présence de Dieu avant de rechercher la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se trouve là où sa présence est, c'est vrai. Mais on peut avoir la puissance sans rechercher la présence. Or, une église qui est forte, un peuple fort et conquérant, c'est un peuple qui a d'abord appris à aimer la présence de Dieu avant la puissance de Dieu. Les signes, les miracles, les prodiges, ça c'est ce que la main de Dieu fait. Mais là, nous parlons d'abord de rencontrer le cœur de Dieu, le cœur de ce Père qui a tellement aimé les hommes, qui a sacrifié son fils unique. Est-ce que tu l'as rencontré?
Est-ce que tu connais le cœur de ce Père qui est un bon Papa, le meilleur de tous les Pères, le plus excellent de tous les Pères? Est-ce que tu as rencontré le cœur de ce Jésus le Christ, notre grand frère, notre époux? Il faut le rencontrer. Et quand tu le rencontres, alors sa puissance est disponible. Sa puissance est accessible. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Il faut rechercher la gloire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi, semaine après semaine, jour après jour, par sa grâce, nous apprenons à rechercher sa présence. Et nous le voyons un matin en prière, nous le voyons le soir, le vendredi, nous le voyons dans nos différentes réunions. Elles sont en train de changer d'intensité, même de nature, parce que Dieu est en train de se révéler à son peuple qui le cherche. Mais pour le trouver, il faut le chercher, dit Amen. Et une fois qu'on a trouvé Dieu, nous devons le laisser diriger nos vies, diriger l'Église. ICC Brazzaville, ne sois pas dirigé par le pasteur Castano, non, sois dirigé par l'Esprit de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton Amen. Ah oui, je refuse d'être le dirigeant principal. Moi, je suis le dirigeant délégué. Nous sommes tous des dirigeants délégués. Le principal coordonnateur de l'activité céleste sur la terre s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui doit nous diriger. Il doit faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut et comme il entend. Dis avec moi un bon Amen. Et puisque nous voulons le laisser diriger, nous devons aussi le laisser interrompre nos réunions, interrompre nos meetings, le laisser faire comme il a envie de faire. N'ayons pas honte que le Saint-Esprit nous interrompe quand on est encore en train de parler et il décide de se mouvoir. S'il le fait, on laisse le micro, on arrête tout et on le laisse faire ce qu'il a envie de faire. On se met de côté. Quelqu'un me dit Amen. Ce sont là différentes manières de savoir comment l'accueillir, savoir comment l'honorer, savoir comment faire pour que sa présence soit toujours aussi puissante et manifeste au milieu de nous. Nous avons vu la dernière fois que nous devons apprécier les œuvres, la puissance de Dieu. Quand Dieu manifeste sa puissance, il ne faut pas dire « Waouh, je suis habitué ». Non, tu dois être quelqu'un de toujours émerveillé. Waouh, waouh, béni sois-tu, waouh. Appréciez les œuvres de Dieu. Reconnaissez ce qu'il est en train de faire. Appréciez la puissance de Dieu. Appréciez les merveilles de Dieu. Appréciez tout ce qu'il est en train de faire. Et lui donner la gloire à Jésus le Christ. Et dire, Saint-Esprit, nous te remercions, nous honorons tes œuvres, nous bénissons tes œuvres, nous célébrons ton ministère, nous magnifions ton ministère, glorieux Saint-Esprit. Si pendant nos réunions, il y a juste une seule personne qui a été touchée, une seule personne qui a été guérie, ne disons pas seulement, disons seulement, waouh, nous sommes émerveillés, nous sommes reconnaissants. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Si tu veux avoir le meilleur de Dieu, apprends à l'apprécier. Nous devons savoir ne pas être gênés ou avoir honte quand Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Ah non, il ne faut pas être gêné, parce que quand Dieu est en train de se mouvoir, quand nous laissons libre cours à sa présence manifeste, là, il déverse sa puissance. Là, certains vont rire d'un rire inhabituel. Certains vont pleurer parce qu'ils sont en train d'être consolés, ils sont en train d'être remplis. D'autres vont crier, d'autres vont sauter. Comme cette semaine, j'ai vu un frère sauter de 3 chaises. Quoi, quoi, quoi? Personne ne l'a touché. Les gens volent comme des feuilles. C'est pas grave. Dieu est au contrôle. Personne ne sera blessé, personne ne se fera mal. Dis Amen. Dieu fait, quand il manifeste sa présence, il fait différentes choses. Donc, si pendant que tu es assis là, tu vois quelqu'un en train de voler, atterrir sur toi, tu ne seras pas blessé, elle ne sera pas blessée. Dieu contrôle la place, Dieu contrôle l'atmosphère. Oh. Ne dis pas, mais pourquoi il saute sur moi? Mon ami, toi-même aussi tu peux sauter, donc il faut te calmer. Nous devons aimer la présence de Dieu et ne pas être gêné. Ah non, non! Mais plutôt être heureux de voir que Dieu est en train de se manifester au milieu de son peuple. Que Dieu est en train d'agir avec puissance au milieu de son peuple. Dis-moi Amen. Et le 7e point que nous voulons voir ce matin, n'allons pas être longs, mais il se veut pratique. Nous devons apprendre pour accueillir la présence de Dieu, pour honorer le Saint-Esprit. Dis avec moi, honorer le Saint-Esprit. Dis avec moi, je veux accueillir le Saint-Esprit. Dis, je veux honorer le Saint-Esprit. Est-ce que c'est vraiment ton cas? Si c'est ton cas, dis Amen. Amen. Si tu veux vraiment honorer le Saint-Esprit, il y a un 7e point. C'est que tu dois apprendre. Je dis bien apprendre. Je dis bien apprendre à servir Dieu. Tu dois apprendre à servir. Tu dois apprendre à servir Dieu. Une des raisons premières pour lesquelles Dieu délivre toujours, Dieu sauve un peuple, c'est toujours pour le servir. La raison pour laquelle Dieu a délivré Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller cet homme afin qu'il me serve.
Libère cet homme afin qu'il me serve. Libère cet enfant afin qu'il me serve. Tout être humain né de nouveau est né de nouveau pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Pour servir sa majesté le roi. Pour servir le Christ Jésus. Quelqu'un me dit amen. Tout ce qui... Tu n'es pas né pour venir à l'église, juste pour venir à l'église. Non, tu es né pour servir Dieu. Dis avec moi, je suis né pour servir Dieu. Oh non, c'est très important. Parce que la seule raison qui peut faire que Satan te lâche, que Pharaon a finalement lâché, c'est parce que Dieu lui a dit, lâche, elle doit me servir. Lâche, il doit me servir. Tant que tu n'es pas conscient que tu es appelé à servir Dieu, Satan n'a pas envie de te lâcher. Et il a même raison. Dieu va te libérer pourquoi? Pour faire ta fête? Pour faire ta volonté? Non, nous ne sommes pas nés pour faire notre volonté. Nous sommes nés pour soumettre notre volonté à sa volonté. Nous sommes nés pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Que tu sois enfant, que tu sois bébé, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, tous les hommes sont nés pour servir Dieu. Si quelqu'un a compris, dit amen. Or, servir Dieu veut dire beaucoup de choses. Il y a différentes manières de servir Dieu. Et un des défis de notre génération, et même des générations d'avant, c'est d'apprendre justement à servir Dieu. Parce qu'à propos de servir Dieu, on dit beaucoup de choses. Ah oui, on dit beaucoup de choses. Mais Dieu veut nous apprendre à maintenir un équilibre dans la manière de servir Dieu. Dis avec moi, je veux servir Dieu. Si tu ne le dis pas, t'inquiète pas. Satan va te dire, si tu ne sers pas Dieu, sers-moi. De toute manière, ce n'est pas compliqué. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, il sert quelqu'un d'autre. Si tu ne sers pas Dieu, tu sers quelqu'un d'autre. Jésus a dit, celui qui n'est pas en train d'assembler avec moi, il est en train de disperser. Si tu ne sers pas Dieu, tu serviras quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas Dieu. C'est un autre royaume. Quelqu'un me dit amen. Alors la meilleure manière de servir Dieu nous a été révélée à travers le livre de Luc, chapitre 10, on ne va pas le lire, au verset 42. Dans Luc, chapitre 10, au verset 42, on voit un récit étrange. Le récit de Jésus qui va dans une maison à Béthanie, il va dans la maison de Marthe et de Marie. Jésus aimait, quand on voit les Écritures et même les théologiens expliquent que Jésus aimait, on voit dans les Écritures que ce Jésus de Nazareth, il aimait beaucoup dans la vie de Béthanie une maison particulière, une maison en particulier, la maison de Marthe et de Marie. Pourquoi est-ce que Jésus aimait autant la maison, une maison en particulier? Que la grâce te soit accordée, que Dieu aime ta maison. Que Dieu trouve du plaisir dans ta maison. Parce que Jésus pouvait aller devant beaucoup d'endroits. Il y a des endroits où il est allé, où les pharisiens l'ont invité, mais il n'est pas resté. Et quand il est allé, il a blâmé les gens. Que toi, ta maison, soit une maison qui sache l'accueillir. Pourquoi est-ce que Jésus aimait autant aller dans la maison de Marthe et de Marie? Jésus a aimé aller dans la maison de Marthe et de Marie. N'oubliez pas, il est la parole faite chair. Il est le Dieu fait chair. Si Dieu aime aller dans la maison de quelqu'un, il faut que tu t'intéresses à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette maison pour que Dieu aime y habiter. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Quel est le comportement, quelle est l'attitude des gens de cette maison pour que Jésus, le Messie, celui qui vient du ciel, envoyé du Père, Dieu fait homme, pourquoi il aime aller chez Marthe et Marie? Parce que dans la maison de Marthe et Marie, on lui réservait toujours un meilleur accueil. Pas un bon accueil, un meilleur accueil. Fais attention parce que des fois, le bon et le meilleur peuvent rentrer en conflit. Dieu ne t'a pas appelé à donner seulement le bon. Non, il y a plus que le bon, il y a le meilleur. Ta vie doit avoir le meilleur et donner le meilleur pour Dieu. Il faut apprendre à sortir des habitudes du médiocre, du juste assez, pour entrer dans le bon. Mais ne reste pas seulement dans le bon accueil, non. Il faut que tu dépasses le bon accueil que tu as dans le meilleur accueil. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Que Dieu fasse de ta maison une maison où tu apprends à donner à Dieu le meilleur accueil. Oh, la qualité de ta main détermine la soif que tu as pour donner à Dieu un meilleur accueil. Non, pour donner à Dieu un meilleur accueil. C'est le cri de mon cœur, c'est Seigneur, fais-moi grâce que toute ma maison, que moi-même je devienne toujours meilleur afin de mieux t'accueillir. Pourquoi est-ce qu'il aimait? Parce qu'il avait un meilleur accueil.
Et la particularité de la maison de Marthe et de Marie, c'est que non seulement elles servaient Jésus-Christ, mais en plus, elles prenaient le temps avec Jésus le Messie. Elles prenaient du temps avec lui. Marthe, elle servait Jésus. Quand tu regardes le livre, Luc 10, verset 42 à la suite, Marthe servait Jésus dans son humanité. Dis avec moi son humanité. Son humanité. Et Marie, elle servait Jésus dans sa divinité. Dans sa quoi? Divinité. Jésus était humain, il était divin. Et une maison où Jésus est bien accueilli, mieux accueilli, c'est une maison où on sait servir. On sait honorer son humanité et on sait honorer sa divinité. Dieu veut que les deux types de services, on sert Dieu dans son humanité et on sert Dieu dans sa... Dis Amen et je continue. Aujourd'hui, nous avons des églises selon Marthe et des églises selon Marie. Des églises où on sert Dieu dans sa divinité et d'autres églises où on sert seulement Dieu dans son humanité. Il y a des gens qui veulent changer le monde, avoir les hautes fonctions, briller dans le monde pour Jésus-Christ. Gagner le monde à Jésus-Christ. Briller, éclairer, être le sel de la terre. Ça, c'est servir Dieu dans son humanité. Et puis, il y a des gens qui veulent seulement servir Dieu dans sa divinité. Servir Dieu dans sa divinité, on va le voir dans quelques instants, revient simplement en un mot principal. L'adorer. Lui offrir l'adoration. Ah oui. Servir Dieu dans sa divinité et servir Dieu dans son humanité. Nous devons, si tu veux que ton cœur, que ta vie, que ta maison soit une maison où la présence de Dieu est bienvenue, elle est toujours appréciée, il faut apprendre à lui offrir les deux types de services. Parce que tu remarqueras que Jésus était à l'aise dans cette maison-là. Certains ont fait de leurs églises des églises où on parle seulement d'impacter le monde, où on parle seulement des cadres, des dirigeants qui sont nommés, qui font des belles choses. C'est très bien. Où on parle des gens qui font comme la Croix-Rouge, aller nourrir, on va le voir après, les veuves, les orphelins. C'est très bien. Ça, c'est servir le Christ dans son humanité. Ils veulent bouleverser le monde. Ils veulent faire du bien aux autres. Ça, c'est servir Christ dans son humanité. Il va nous le démontrer plus tard. Dis Amen et je continue. Mais d'autres, ils ne veulent que adorer, glorifier. En dehors de glorifier Dieu, ils ne font rien d'autre. Ils ne veulent rien faire. Tout ce qu'ils veulent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est se tenir devant Dieu et adorer Dieu, glorifier Dieu, apprécier Dieu. Comme Marie qui était assise et qui écoutait Jésus. Oh, ces paroles de charme bouillant dans mon cœur. Je dis que mon œuvre est pour le roi. Que mes paroles te soient agréables. Oh, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Et quand Jésus parle, Marie dit, oh, mais quand tu parles, je suis émerveillée. Marie, elle était émerveillée. La Bible dit que Marie était assise. Elle ne faisait qu'écouter. Elle dit, waouh, quelle parole. Jésus. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions? Elle aimait entendre les paroles de ce Jésus. Elle le contemplait. Marie était assise, elle le contemplait. Marthe, elle était occupée. Mais elle voulait s'occuper aussi de Jésus. Parce qu'elle savait que le temps allait venir où il fallait qu'il mange. Il a un corps humain. Il faut qu'il mange. Il faut qu'il se repose. Si tu comprends, dis Amen. Il faut savoir offrir à Dieu les deux types de services. On sert Christ dans son humanité et on sert le Christ dans sa divinité. L'église d'autrefois, l'église primitive avait compris le secret de ce que Dieu nous explique ce matin. Dieu est en train de préparer nos cœurs. Il va exploser sa gloire comme jamais auparavant. Si c'est ton cœur qui prépare, donne un amen pour toi-même.
En fait, tu viens de dire à Dieu, Seigneur, je suis là, hein? Je suis là, prépare mon cœur. Tu dois me visiter, tu dois me visiter. L'église d'Antioche était la deuxième église missionnaire après Jérusalem. Et à l'église d'Antioche, Dieu a fait des choses extraordinaires à travers Paul, Barnabas et les autres. Mais l'église d'Antioche a une particularité, c'est qu'ils avaient compris comment on fait pour servir Dieu dans son humanité et dans sa divinité. Actes chapitre 13, à partir du verset 1. Je lis dans la version Darby. Il y avait à Antioche, dans l'église qui était là où l'assemblée, il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius le Cyrénéen. En parenthèse, beaucoup de noirs. Hein? C'est juste une parenthèse, quoi. C'est juste une parenthèse. C'est pour toi qui crois qu'ils étaient tous blancs. Non, c'est faux. Faut étudier. C'était pas des blancs aux yeux bleus. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Ça, c'est la religion. Ok, on va pas rentrer là-bas. On n'a pas envie de se faire lapider aujourd'hui. On ferme la parenthèse. Lucius le Cyrénéen et Manahen, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque et Saul de Tarse. Verset 2. Et comme il servait le Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur, c'est-à-dire que pendant qu'il rendait un culte, dis avec moi, il servait Dieu. Dis avec moi, il servait le Seigneur. C'est-à-dire, il rendait un culte. Il rendait à Dieu un culte. Il servait Dieu. Pendant qu'il servait le Seigneur, et qu'il jeûnait. Dis avec moi, il jeûnait. Donc, ils servent Dieu, mais ils servent Dieu dans une autre attitude. Ils ne servent pas seulement Dieu, mais ils ont aussi choisi de mettre un temps à part dans le jeûne. Donc, ils sont en train de prier et ils sont en train de jeûner. Ils se tiennent devant Dieu pendant quelques jours, ces prophètes et ces docteurs, ils servent Dieu. Ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Ils ont mis quelques jours, ils ont mis une semaine, ils ont mis plusieurs semaines, qu'importe, juste pour servir Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, ils sont en train de servir Dieu dans sa divinité. Ils ont mis du temps à part. On va voir dans quelques instants. Dis Amen. Ils servent Dieu et ils jeûnent. Ils accompagnent leur service du jeûne. Mon frère, ma soeur, les grandes délivrances, les grandes victoires des nations, des églises, des familles, des villes ne se feront jamais sans la puissance du jeûne et de la prière. Rien. Même ta vie, il y a des percées que tu n'auras pas juste dans le service. Mais c'est quand tu vas combiner le service que tu es en train de faire à Dieu et un corps qui a décidé de s'humilier dans le jeûne. Quand tu vas engager la force du jeûne, il y a des choses qui vont se faire. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, hein, parce que tu n'as pas encore toi-même décidé de faire changer les choses. Il y a des situations qui ne changent que lorsqu'on engage. Et la force du service dans la prière dit Amen. Et dans le jeûne. Voilà pourquoi cette semaine, on va engager la force du service de Christ dans son humanité, mais dans une attitude de jeûne. Dis Amen et je continue. Je répète pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Plein de choses ne changeront pas tant que tu n'engageras pas la force du jeûne. Tu veux le feu? Il y a un prix à payer. La puissance? Il y a un prix à payer. La gloire? Il y a un prix à payer. D'ailleurs, dans la vie, les belles choses, les grandes choses demandent toujours un prix. Jamais quelqu'un n'a eu quelque chose de grande valeur sans payer le prix, jamais. Il y a toujours un prix à payer. Ne laisse pas ton estomac détruire ton destin. Ne laisse pas ton appétit miam 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 détruire ton destin. Il y a un prix à payer. Il faut engager la force du jeûne et de la prière et du service devant Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis Amen. Il y en a qui ont détruit leur destin à force de manger, 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 manger. Oh, j'ai faim, j'ai un petit creux. Laisse le creux souffrir. Prends de l'eau, ça va calmer le creux. Jeûne. Quelqu'un me dit Amen. C'est quoi cette attitude de nos générations? On veut pas, on veut tout avoir. Seigneur, power, power, power. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, fils de l'homme, il a dû prendre, avant de commencer, power, 40 jours. Dans le jeûne. 40 jours. Toi, tu veux power, 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 sans effort. Juste parce que tu es venu à ICC un dimanche matin et l'esprit est en train de se mouvoir et tu as une goutte d'eau.
La goutte d'eau ne peut pas te rassasier. Je veux des fleuves d'eau vive. Je veux des fleuves. Cette semaine, on engage la force du service et du jeûne. Dis amen. Dis amen. De toute manière, ce n'est pas une obligation, ne t'inquiète pas. Mais si nous sommes seulement 10, c'est aussi suffisant. Dieu ne travaille pas avec la majorité. Dieu travaille avec les gens dont le cœur est disposé. Tu as compris? Dieu travaille avec ceux dont le cœur est disposé, pas avec ceux qui sont nombreux. Le nombre ne détermine pas l'approbation divine. On peut être ici 4000, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais Dieu cherche des cœurs disposés pour lui. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire amen. Alors il est écrit, comme il servait le Seigneur, dis avec moi, il servait le Seigneur. Et il jeûnait. Alors le Saint-Esprit dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors ayant prié, ayant jeûné, dis avec moi, jeûné. Et ils ont prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent partir. Ils les laissèrent aller. Ils les envoyèrent. Verset 4. Eux donc, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, c'est là maintenant qu'ils sont descendus en mission pour servir le même Christ, mais dans son humanité. Il y a un Dieu à adorer et il y a un monde à gagner pour Christ. Il y a un Dieu à honorer, il y a un Dieu à glorifier, il y a un Dieu à servir dans sa divinité et il y a un Dieu pour lequel il faut aller gagner le monde. Il y a un Congo qu'il faut aller conquérir pour Christ. Il y a un Congo qu'il faut aller sauver pour Jésus. Donc à un moment donné, on sert Dieu, mais on doit descendre pour aller faire un autre type de service. Dans la maison de Marthe et Marie, il y avait les deux types de services. On sert Jésus et puis après on doit travailler maintenant pour aller gagner des âmes à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Dis amen. Alors comment on fait pour servir? Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Comment on fait pour servir Christ dans sa divinité? Commençons d'abord par la divinité de Christ. Comment on fait pour servir Dieu ou encore le Christ dans sa divinité? Comment est-ce qu'on fait? Hébreux chapitre 12, verset 28 nous pose déjà les préalables. Hébreux 12, verset 28 nous dit, c'est pourquoi nous recevons un royaume inébranlable. Un royaume, nous avons reçu un royaume, le règne de Dieu est inébranlable. Un royaume qu'aucune puissance satanique ne peut détruire. C'est le royaume que nous avons reçu, c'est le royaume qui habite en nous, c'est le royaume dans lequel nous sommes. Inébranlable, infatigable, imperturbable. Quelqu'un dit amen et je continue. Il nous dit, ah, verset, je lis dans la version seconde 21, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre un culte à Dieu ou encore qui nous permet de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Servir Dieu ou encore rendre un culte à Dieu, attache-toi, puisque maintenant tu es sauvé, puisque maintenant tu es né de nouveau, puisque maintenant tu appartiens à la famille de Dieu, même si tu es seulement né de nouveau depuis hier, maintenant il va falloir que tu t'attaches à servir Dieu. C'est une grâce qui t'a été accordée, la grâce de servir Dieu, la grâce de rendre un culte à Dieu. Là on parle de servir Dieu dans sa divinité, mais comment? D'une manière qu'il y soit agréable, avec révérence. Avec respect, avec, en anglais on dit godly fear, ça veut dire une sainte crainte, un profond respect. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Il dit, un, de manière agréable, selon son plaisir à lui. Mais quand tu le fais, il faut le faire avec révérence. On ne s'approche pas dans la présence de Dieu en mâchant un chewing-gum. Alléluia. Non, 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 non. Ne fais rien. Retiens-toi. Sors seulement. On se tient dans sa présence avec majesté, avec respect. Quand on lève les mains avec respect, avec appréciation, avec admiration, avec contemplation. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avec un cœur rempli de révérence. La révérence, ça vient pas de la main, elle vient du cœur. Elle vient d'une attitude de gratitude, d'une attitude d'un cœur qui est tourné vers Dieu. Est-ce que je peux continuer? Il parle de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Dites-moi, mais qu'est-ce que cette manière de servir Dieu qui lui soit agréable? Comment est-ce qu'on fait
pour rendre à Dieu un service qui lui fasse plaisir. C'est ça que ça veut dire. Qui lui fasse. Ne donne pas à Dieu ce que Dieu ne veut pas. Oh non, jamais. Donne à Dieu ce qui va toucher son cœur. Dieu est un être spirituel. Il est esprit. Il a une âme. On peut lui donner de la joie. On peut aussi le mettre en colère. On peut aussi l'attrister. On peut aussi le blesser. Tu choisis quoi? J'ai choisi de faire plaisir au cœur de Dieu. J'ai choisi d'être agréable au cœur de Dieu. J'ai choisi de ne pas chercher la main de Dieu. Depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas choisi de chercher la main de Dieu. Donne-moi, donne-moi. Je dis, Seigneur, je veux toi. Donne-moi le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux qu'un père, qu'une mère peut donner aux enfants. Ce n'est pas les jouets, les Nintendo, toutes ces choses. Non, ce n'est pas les jouets. C'est la présence des parents. C'est la présence des parents. Est-ce que tu sais combien d'enfants souffrent aujourd'hui? Est-ce que tu sais combien d'enfants sont dans le rejet? Combien d'enfants sont dans la prostitution? Parce qu'ils n'ont pas eu de père ou de mère. Et ils n'ont pas vu papa et maman s'aimer. Alors ils n'ont pas de repère. Mais béni soit Dieu de ce que Dieu restaure ce que tu as perdu. Il le restaure dans le palais de gloire. Il le restaure dans sa présence. Si c'est à toi que je parle, donne un amen vitaminé pour Dieu. Oh oui. Même quand les parents ont échoué, il y a un papa qui lui n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Même quand tu as été endommagé, blessé, empaqueté, écrasé, émietté, il prend et il te reconstitue par sa grâce. Et il fera de toi un chef-d'œuvre. Il fera de toi quelqu'un. Donc quand on va parler, comment toi? Il y a même des gens, quand ils vont entendre parler de ton histoire, ils vont dire, non, tu es passé par là. Oui, mais j'ai rencontré Jésus le Christ. Il a changé ma vie. Oh, dis amen pour le Christ. Alors, comment faire pour rendre à Dieu un culte, un service qui lui soit agréable? Dieu nous a donné la réponse. Ce qui plaît à Dieu, Dieu a dit depuis toujours, hein, il dit, moi je cherche sur la terre une catégorie de personnes. Ce sont eux-là qui me font plaisir. Quand je les entends, je suis heureux. Quand je suis avec eux, je suis heureux. Cette catégorie de personnes-là, on les appelle des adorateurs. Ou encore des vrais adorateurs. Parce que Satan, étant un imitateur, il a créé le système de la religion par lequel les hommes... Satan est un voleur, un menteur. Il fait tout depuis longtemps pour détourner l'adoration qui seul revient à Dieu. Car Dieu est seul digne d'être adoré. Mais Satan a volé. Il tourne les hommes vers des idoles. Ils te disent, oh Jésus, il n'est pas dans l'idole. Il n'est pas une idole. On ne représente jamais Dieu. De Genèse à Apocalypse, jamais on ne représente Dieu. Il n'est pas dans une statue. Il n'est pas dans une idole. Il n'est même pas dans une image avec un blanc aux yeux bleus ou un noir aux yeux verts. On s'en fout. Il n'est pas là-bas. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ils l'adorent par leur esprit. Jésus a dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Écoute bien ce qu'il dit. Elle est déjà venue. Oh oui, elle est déjà venue depuis qu'il était sur la terre. Le temps avait commencé. Où le Père disait, y aura-t-il au Congo des gens que moi je cherche? Est-ce que je vais les trouver à Brazzaville? Est-ce que je vais les trouver à Pointe-Noire? Le genre de personnes que je cherche. Alors la femme samaritaine dit, mais toi tu parles de quoi? Nous on adore dans les montagnes, on adore dans les collines. Il dit, non, ce n'est pas ça que le Père cherche. Papa là, il m'a envoyé pour dire que lui il cherche pas ça. Lui il cherche une catégorie de personnes. Un type de personne. Oh, il te trouve ce matin. Un type de personne. Il dit, il cherche ce qu'on appelle les vrais adorateurs. Ou encore les véritables. Dis avec moi les véritables. Les véritables adorateurs. Si on dit véritable ou encore vrai, ça veut dire qu'il y a du faux, mon ami. Sors du faux. Dieu est esprit. On ne l'adore pas avec une image. On l'adore pas. Non, on l'adore, on se tient dans sa présence. Oh, j'ai tellement à dire ce matin. Dis-moi amen et je continue. On l'adore. Oh. Il dit les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire par l'esprit, avec leur esprit, pas avec leur intelligence, pas avec leurs mains, mais d'abord avec leur esprit. C'est-à-dire, on cherche l'adoration qui vient d'un cœur,
qui vient du cœur, pas de la bouche, pas de la religion, pas des coutumes, pas des rituels. Non, on a toujours fait comme ça, on a toujours chanté comme ça. Non, ça doit sortir du cœur. C'est inattendu, c'est spontané, c'est soudain. Ça sort à l'instant, ça va à gauche, ça va à droite, mais ça va vers le trône de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il dit, il cherche les vrais adorateurs qui eux adoreront le Père par l'esprit ou encore en esprit et en vérité, c'est-à-dire dont la vérité. La vérité c'est la parole. La vérité c'est la parole. On adore selon la vérité de l'évangile, de la parole de Dieu. Pas selon les fables, mais pas la religion, mais la parole. Pourquoi? Car parce que ce sont là les vrais adorateurs que le Père exige, que le Père cherche, que le Père demande. Puisses-tu être la personne que Dieu est en train de chercher? Parce que Dieu cherche. Oh, dis amen. Oh. Tu te rends compte? On te dit que le propriétaire de l'univers, celui qui a créé tout, il cherche. Il cherche quoi? Il ne cherche pas des prières. Il cherche des adorateurs. Parce qu'on peut être un prieur, mais ne pas être un adorateur. On peut même beaucoup intercéder, mais ne pas être un adorateur. Mais on ne peut pas être un adorateur sans être un intercesseur. Non, ce n'est pas possible. Non, non, non. On ne peut pas être un adorateur sans être un homme de prière, une femme de prière. Oh non, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, amen. Oh, oh, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle. L'adoration. Ah, oh, l'adoration. Ah, oh, l'adoration. Servir Dieu, c'est adorer Dieu. C'est tout? Non, attends, il faut que je t'explique. Repartons un peu en arrière. La première fois que ce mot adorare, proskuneo, adoration, la première fois que ce mot a été utilisé, est-ce que tu connais le contexte dans lequel ce mot a été utilisé la première fois? Ce mot a été utilisé, adoration, la première fois pour désigner, pour manifester, pour démontrer un profond acte d'amour. C'est pas le chant, c'est un cœur amoureux. C'est un cœur qui aime profondément. Dans Genèse 22, la première fois que le mot adoration a été utilisé, c'était par Dieu lui-même. C'était Dieu dit à Abraham, Abraham, tu as mis 25 ans pour avoir quelque chose qui t'est tellement cher. Il dit oui, tu me l'as donné. Hey, j'aime Isaac. 25 ans de souffrance, toute ma vie, c'est Isaac. Mon avenir, c'est Isaac. Mon cœur est dans Isaac. Quand je vois Isaac, je suis heureux. Hey, Dieu, tu m'as béni. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi Isaac. Sacrifie-moi ce que tu as de plus précieux. Sacrifie-moi, offre-moi ce que tu as de plus cher. Ce qui va te coûter le plus, donne-le-moi, ton Isaac. Et la Bible dit, écoute bien, Abraham entend la nouvelle, une nouvelle difficile. Il dit, sacrifie ton fils, ton unique, offre-le en sacrifice, c'est-à-dire fais-le mourir pour moi. Alors la Bible dit, le lendemain, tôt le matin, Abraham se leva. Abraham obéit à Dieu. Waouh! Décision difficile. Oh combien difficile. Inacceptable. Abraham se lève dès le bon matin. Abraham prend Isaac. Il a entendu Dieu. Waouh! La première fois que le mot adoration a été utilisé, c'était pour démontrer un acte d'un profond amour pour Dieu. Abraham aimait Dieu, mon frère. Il aimait Dieu. Même quand Dieu demande de faire quelque chose qui est difficile, il dit par amour pour Dieu, je vais faire. Un, l'amour. Deux, la soumission à Dieu. Trois, l'obéissance à Dieu. Waouh! Abraham, 3 jours de marche, 3 jours de réflexion. Mais si je tue mon fils, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je donne ce que j'ai de plus précieux, mais ma vie, mais ma postérité, mais la promesse que Dieu m'avait donnée, mais que va-t-il m'arriver? Toutes sortes de pensées peuvent arriver. Mais Abraham ne fait qu'avancer. Le troisième jour, il arrive, il voit la montagne Morija. Il amène son fils Isaac, celui qu'il aime. Et il prend Isaac, il le lit. Et il met Isaac. Et au moment où il prend le couteau, au moment où il veut prendre le couteau, il est prêt à tout. Parce qu'Abraham est sûr qu'il aime Dieu et que Dieu aussi l'aime. Et que Dieu ne peut pas le tenter au-delà de ses forces. Abraham a confiance en Dieu. Dieu dit à Abraham, au moment où Abraham prend le couteau maintenant pour... Abraham, ne porte pas la main sur ton fils Isaac.
Car maintenant, Abraham, je sais maintenant que toi, tu crains Dieu. Oh, je sais maintenant que toi, tu aimes Dieu et que toi, tu crains Dieu. C'est là que Dieu a dit à Abraham, je jure par moi-même, dit l'Éternel. Ce sont les bénédictions jurées de Dieu. Mais avant d'en arriver là, Abraham a manifesté ce qu'on appelle l'adoration à Dieu. Il n'a pas chanté, mais il a aimé Dieu. Il n'a pas chanté, mais il s'est soumis à Dieu. Il n'a pas chanté, mais il a obéi à Dieu lorsqu'il ne fallait pas obéir. Lorsque tout en lui ne voulait pas obéir, il a dit, je vais obéir à Dieu. Lorsque ça paraissait trop difficile, il dit, je vais obéir à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est d'abord un acte d'amour. Ce n'est pas le chant, non. C'est un cœur qui est rempli d'amour pour son Créateur, d'amour pour son Dieu, d'amour pour son Rédempteur. Et on aime tellement Dieu qu'on décide de lui soumettre ma vie, de soumettre mon agenda, de soumettre mes désirs, de soumettre ma volonté, de soumettre mes envies, de soumettre ma carrière, de soumettre ce que j'aime le plus. Seigneur, je te le donne. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Donc adorer veut dire en grec se prosterner face contre le sol. C'est pas s'agenouiller, c'est se prosterner. Pourquoi se prosterner? Je prosterne mes projets, je prosterne ma volonté, je prosterne ma carrière, je me prosterne, je te soumets tout ce que j'appelle le mien, car tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de splendeur, tu es digne de commander, de régner. Je me prosterne devant toi. Ça veut dire, oh Dieu, je te soumets toutes choses. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Dis, je me prosterne dans ton sanctuaire. Je te cherche. Adorer veut dire soumettre à Dieu. Tout ce que tu appelles ma, mais, mon, donne-le à Dieu. Adorer veut dire s'offrir soi-même en sacrifice. Parce que l'adoration sans la mort, ce n'est pas l'adoration. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui a appris à mourir à lui-même. C'est quelqu'un qui a appris à se sacrifier pour Dieu. Il a appris à se donner pour Jésus. Quand on l'injurie, il ne dit plus rien. Il dit injurier seulement. Quand on le critique, il dit c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que je fasse le plaisir du cœur de Dieu. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on pense de lui. Ce qui est important pour l'adorateur, c'est ce que Dieu pense de lui. Oh, quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'était un acte profond d'amour. Ce n'est pas un chant, c'est un acte profond d'amour. Et quand je chante, le chant vient d'un cœur rempli de gratitude, rempli d'amour, rempli d'humilité. C'est ça l'adoration. Dieu, dans les temps anciens, avait cherché sur la terre des adorateurs. Il cherchait quelqu'un qu'il allait établir comme roi d'Israël, mais il cherchait quelqu'un qui lui ressemblait. Oh, il a trouvé, il a dit, j'ai trouvé. Il a cherché, il a trouvé. J'ai trouvé dans la famille d'Isaïe, j'ai trouvé David. Il leur a, acte 13, verset 22, il leur suscita pour roi David, auquel lui-même Dieu a rendu témoignage. C'est Dieu qui dit à propos d'un homme, cet homme-là, il a un cœur selon le mien. Il a un cœur qui est tourné vers moi. Cet homme-là, il m'aime. Que je ne le punisse pas, il m'aime. Que je l'ai béni, que je ne l'ai pas béni, il m'aime. Que ça aille bien, que ça aille mal, il m'aime. C'est un homme selon mon cœur. Il n'est pas dirigé par ma main. Cet homme-là, il cherche à me faire plaisir. Puisse Dieu te donner ce genre de cœur ce matin. Ah. Oh, dis amen, dis amen, dis amen. Il dit, lui, c'est l'homme selon mon cœur. C'est un adorateur. C'est un vrai adorateur. David, waouh! Il a dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour rendre fort, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, ceux dont le cœur est complet, tourné vers lui. C'est-à-dire que Dieu cherche quelqu'un, pas quelqu'un qui est parfait dans les actes, mais quelqu'un dont le cœur est parfait. Un cœur parfait, oui, c'est possible. C'est lequel? C'est un cœur, toi là, quel que soit, tu es trop fou de Dieu. Tu aimes trop Jésus. C'est de toi que Dieu est en train de parler. Tu sais, dans ces choses-là, chacun dit amen pour lui-même. Chacun donne sa réponse à Dieu.
Dis-moi Amen. Servir le Christ dans sa divinité, c'est donc adorer. Mais tu comprends qu'adorer, ce n'est pas juste chanter. Ça vient d'abord d'un cœur qui est obéissant, un cœur qui aime. Donc, servir le Christ dans sa divinité, c'est aimer sa présence d'abord. C'est désirer sa présence. C'est avoir soif de sa présence. C'est comme Marie, elle servait le Christ. Elle était seulement là. Elle se tenait dans sa présence. Pendant combien d'heures? On ne sait pas. Mais elle était dans la présence de Jésus. Elle était là seulement. Elle le contemplait. Elle voulait rester dans la présence de Jésus. Elle ne voulait pas sortir. Elle voulait rester dans la présence de Jésus. Un cœur de service dont la divinité, c'est un cœur qui aime la présence de Dieu. Il n'est pas pressé de sortir. Il aime rester dans sa présence. Voilà pourquoi le psalmiste, dans le psaume 63, David, quand David a dit, « Oh Dieu, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. » Au point du jour, c'est-à-dire, tôt le matin, early in the morning, tôt le matin, « Oh Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Et mon corps soupire après toi. » Quand il parle du corps qui soupire, il parle d'une attitude de jeûne. Il dit, mon corps est en train de soupirer. Je suis dans le jeûne. Il mélange le jeûne et la soif de Dieu. Il mélange le jeûne et la passion de Dieu. Il mélange le jeûne et la recherche de Dieu. J'ai soif. J'ai soif. Il dit, comme une biche. Non, il dit, mon corps soupire après toi, comme une terre aride et desséchée sans eau. Tu as déjà vu une terre qui est sec, elle n'y a rien, la terre elle est sèche, sans eau, elle est desséchée. Elle a besoin de quoi? De l'eau. Toutes les terres qui sont trop secs ou sèches ont besoin d'eau. Il dit, moi, mon corps, dans le jeûne. Il a combiné la quête, la recherche de Dieu avec le jeûne. Il dit, je veux me priver de nourriture, j'ai besoin de trouver Dieu. Mon âme soupire. J'ai soif de toi. Il dit à Dieu, j'ai soif de toi. Je veux te dire à papa, j'ai soif. Il est en train de dire à Dieu, j'ai besoin de ta présence. Redonne-moi le psaume 63, s'il te plaît. Au verset 2, il dit, mon âme soupire après toi, mon corps languit après toi. Il dit, donc, comme une terre desséchée sans eau. Et au verset 3, regarde au verset 3, c'est ça qui est important, verset 3. Dans sa quête, dans sa soif, il dit à Dieu, « Oh Dieu, je t'ai cherché. » Dis avec moi, je t'ai cherché. La version Louis II dit, « Je te cherche. » Non, mais la version d'origine dit, « Je t'ai cherché. » Il dit, « Je t'ai cherché dans le sanctuaire. Je suis venu dans le palais de gloire. Pendant la semaine de jeûne et de prière, je suis venu te chercher. Pourquoi tu me cherches? Je t'ai cherché afin de voir ta puissance et ta gloire. » Quand tu trouves Dieu, dans le jeûne là, tu vas rencontrer et sa glorieuse présence et sa puissance pour guérir, sa puissance pour délivrer, sa puissance pour restaurer, sa puissance pour soutenir. Mais il dit que il a cherché. Mais comment il a cherché? Il avait soif. Cette semaine, j'ai soif. J'ai besoin de Dieu. Je veux la présence de Dieu et je veux chercher Dieu. En compagnie de mon frère et de ma soeur qui le souhaite. Cette semaine qui commence demain jusqu'à vendredi, nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. On va servir Dieu dans sa divinité. Ça veut dire quoi? On va se tenir devant Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui rendre hommage, louange et gloire. Et pour en même temps intercéder. Et pour en même temps prier selon qui nous conduira. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Servir le Christ, écoute-moi,
c'est désirer sa présence. Je désire sa présence. Je me tiens dans sa présence. Comme Marie, elle se tenait. Je ne compterai pas les heures. Si je dois aller travailler, j'irai travailler. Et si je peux, je reviendrai encore. Juste pour me tenir dans sa présence. Juste pour l'adorer. Juste pour l'honorer. Juste pour l'apprécier. Alors il y a un détail important. Est-ce que je peux continuer un peu? Il dit, servir Dieu dans son humanité, dans sa divinité. C'est comme Marie. Marie, elle écoutait. Elle aimait entendre ses paroles. Et Marie, elle aimait lui exprimer son amour. Servir Dieu, mon frère, c'est d'abord un acte d'amour. Donc, on lui exprime l'amour. Combien de fois par jour ou par semaine, tu restes là sans rien demander? Juste pour lui exprimer ton appréciation, ton adoration. Juste pour exprimer à Dieu. Juste pour rendre gloire à Jésus. Juste pour apprécier le Saint-Esprit. Combien de fois dans la semaine ou dans la journée, est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Juste en train de contempler Dieu. C'est-à-dire, c'est le genre de moment où on vient, on ne dit pas d'abord à Dieu, agis, sauve-moi, non. On dit seulement à Dieu, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Je veux te dire, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je veux juste exprimer à Dieu, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Je ne demande rien. Je veux juste l'aimer, le lui dire ma reconnaissance. Je veux juste dire à Dieu combien je l'aime, combien je veux l'aimer, combien je veux l'apprécier. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je me tiens dans sa présence. Abba, Père, je t'aime. L'attitude de l'adorateur, il tient à dire à Dieu ce qu'il veut. Il veut l'aimer, il veut le chérir, il veut l'apprécier. De tout ce que, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Père d'amour et Père de grâce, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Toi seul peux combler mon cœur. Ça, c'est dans l'adoration qu'on le lui dit. Toi seul, ton essence à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent, c'est dans l'adoration qu'on le lui dit. Non pas ta valeur, non, non, non. Tous les sentiments ne remplissent pas mon cœur. Non, 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 non. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi seul peux combler mon cœur. Ça veut dire, tu es mon plaisir, tu es tout ce que je cherche. Dans l'adoration, on dit à Dieu les mots d'amour. Tu donnes un sens à ma vie. Tu es tout ce que j'ai de plus cher. Même l'or et l'argent n'ont pas ta valeur. Non, 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 non. Tous les sentiments ne remplissent pas mon cœur. C'est ce qu'on dit dans l'adoration. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Sois glorifié, Jésus. C'est ce qu'on dit dans l'adoration.
On se tient devant Dieu et on lui dit des mots d'amour et on l'exalte et on le célèbre. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. C'est ce qu'on dit dans l'adoration. Jésus, on se tient devant Dieu. Jésus, et on l'honore. Et on l'adore. Et on le célèbre. Jésus, y a-t-il quelqu'un Jésus, pour dire sois glorifié dans l'adoration. Jésus, c'est mon esprit qui t'adore. Qui t'adore. Jésus, 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 c'est mon esprit qui t'adore. Abba Père, Jésus, Jésus le Messie, Jésus, Jésus mon amour. C'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus. Servir le Christ dans sa divinité, c'est l'adorer. C'est-à-dire l'apprécier. Je prends le temps. Je ne cours pas. Je prends le temps. Je me concentre sur lui. Je me fixe sur lui. Oh, quelle heure il est. Je dis, j'ai quelque chose à faire. Mais avant que j'y aille, je veux l'apprécier. Je veux glorifier son nom. Je ne veux rien demander dans un premier temps. Après, je prierai. Selon qui me poussera. Après, j'intercéderai. Selon qui me conduira. Mais servir le Christ dans son, sa divinité, c'est l'honorer. C'est lui dire des mots d'amour. C'est lui dire des mots. Des mots, des mots. Qu'il pousse, qu'il fait monter dans mon cœur. Parce qu'il en est digne. Il est digne d'être aimé, d'être apprécié. Oh, c'est mon esprit qui le célèbre. Je l'aime et je le bénis. Je l'aime et je le chéris. Béni soit Jésus. C'est ça qu'on dit quand on sert le Christ dans sa divinité. Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle servait Jésus dans sa divinité. Elle le contemplait. Elle adorait. Elle le célébrait. Elle l'aimait. Et elle prenait le temps de lui dire qu'elle l'aimait. Est-ce que tu peux prendre le temps? S'il t'a commencé, s'il a commencé à embraser ton cœur, oh! Jésus, Jésus, servir Dieu dans sa divinité, c'est l'apprécier. Tu comprends, mon frère? C'est lui manifester. Sola bara de l'émotion. Amandele brokobo shantara mandele broske. Oh, remasete le mandele brokobo vosata. Akara mandele ele braos ika mandele brokobo shas. Dis-lui toi-même pendant quelques instants. Parle-lui toi-même à ma sépare à la. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Je t'aime parce que tu es l'agneau immolé pour moi, sacrifié pour moi, tu es l'agneau, il a été crucifié, il a été crucifié pour moi, il est l'agneau de Dieu. Je l'aime, mon agneau de Dieu,
C'est servir Dieu dans sa divinité. C'est prendre le temps. Quand Marie prenait le temps, seul à seul ou à plusieurs, pour l'adorer. Je veux en esprit et en vérité. C'est une décision personnelle. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux Jésus, je veux. Ce sont les paroles qui montent du cœur d'un adorateur. Je veux t'adorer en esprit et servir en Christ dans sa divinité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, en l'honneur de Jésus. Je veux t'adorer. Abba, papa. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, je veux de tout mon cœur t'adorer. Me soumettre à toi, t'obéir. Je veux t'adorer. Dernière, fais-moi t'aimer. Ça, c'est la parole de l'adorateur. Je demande plus de toi. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Je te prie, papa. Fais-moi t'aimer. Oh, je veux. Fais-moi t'aimer. Quand j'ai une demande à faire, c'est pour te dire fais-moi t'aimer. Je ne demande pas les choses. Je demande ton cœur. Je demande le cœur de Dieu. Fais-moi t'aimer. Je ne demande pas les bénédictions. Je demande la présence de Dieu. Fais-moi. Fais-moi t'aimer. Ma requête, c'est ma priorité, c'est le sujet de mes, c'est le fardeau de mon cœur. Aimer Dieu, plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de chérir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Oh, ce n'est pas une obligation, mais je suis le bon aimé.
servir Dieu, servir Christ dans sa divinité, c'est avoir un cœur qui est tourné vers lui. C'est avoir un cœur qui veut lui être agréable. Un cœur qui est attaché. Un cœur qui veut la présence de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir ce genre de cœur. Jésus était à l'aise, mon frère. Il était à l'aise, ma sœur, dans la maison de Marthe et de Marie, les deux sœurs. Parce que dans cette maison de Marthe et de Marie, on prenait du temps avec lui. On ne venait pas demander, donne-moi seulement les bénédictions. On venait l'apprécier. Comme David, il dit, mon âme a soif de toi. Je te cherche. Comme une terre aride, déchaissée, desséchée, sans eau, mon cœur te cherche. Mon âme soupire après toi. Seigneur et Père, alors que tu nous enseignes, tu prépares nos cœurs pour accueillir, pour honorer ta présence, ce matin particulièrement, nous prions, Père, réveille l'adorateur, réveille le cœur des adorateurs, réveille le cœur des adorateurs qui servent le Christ dans sa divinité, qui ne viennent pas devant le trône pour seulement demander, mais d'abord, pour manifester l'amour, l'appréciation, l'adoration, la louange, les actions de grâce. Dieu d'abord et la puissance de Dieu après, elle va se manifester. Il a dit, je t'ai cherché dans le sanctuaire afin de voir ta puissance et ta gloire. C'est ce que nous voulons et pour cela nous cherchons sa présence. Seigneur et Père, lève tes mains là où tu es. Levant les mains et faisant cette courte prière. Répète avec moi, Père. Père, dans le nom de Jésus, je te demande humblement la grâce d'avoir un cœur de véritable adorateur. Réveille en moi le cœur d'adorateur. Réveille en moi le cœur du véritable adorateur. Dans le nom de Jésus, je te fais cette demande. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Y a-t-il quelqu'un qui aime Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui veut se mettre debout et acclamer son nom et célébrer ses bontés et sa grâce et sa parole et sa fidélité et ses compassions qui ne sont jamais à leur terme. S'il y a quelqu'un qui a commencé à l'aimer, fais entendre un amen de quelqu'un qui aime Dieu, de quelqu'un qui aime Jésus le Christ. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Pour terminer, je voudrais vous dire que demain, c'est notre semaine de jeûne et de prière. On a dit qu'on allait le faire le matin, le midi et le soir, comme on le fait d'habitude en dehors des 60 heures. Mais cette semaine, ça sera un peu différent. Cette semaine qui commence demain, je ne sais pas comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et nous viendrons demain le matin, comme d'habitude. Je sais seulement que le Seigneur m'a dit que les portes de l'église doivent rester ouvertes toute la journée, de 6h à 18h. Attendez, on va
va pas faire les 60 heures qu'on a toujours fait. Non, demain on viendra pour servir le Christ dans sa divinité. Nous allons prendre le temps de l'apprécier, de dire ce qu'il est avec les mots d'amour, les paroles de grâce, des charmes qui bouillonnent dans nos cœurs. Et selon qui nous conduira, on va prier. Parce que servir Dieu dans sa divinité, c'est l'adorer. Et dans l'adoration là, il y a aussi l'autre côté qu'on appelle l'intercession. Le thème de notre semaine de jeûne et de prière qui commence demain matin, c'est intensifie ta gloire. Intensifie ta présence manifeste. Intensifie-la dans ma vie. Intensifie ta gloire dans l'église. Intensifie ta gloire dans les églises de Brazzaville. Intensifie ta gloire dans la ville de Brazzaville. Nous voulons voir les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres de santé embrasés par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Nous voulons voir la puissance de Dieu touchée. Même là où nous ne sommes pas, nous voulons voir la puissance de Dieu créer un souffle de... Nous voulons voir des choses que nous n'avons jamais vues. Et pour cela, nous allons venir. Pour certains, ça sera 15 minutes, d'autres une heure, d'autres deux heures. Je ne sais pas. Mais je sais seulement que nous allons faire deux choses. L'honorer, l'adorer, le louer, le célébrer. Dis Amen. Et nous allons se lui demander, Seigneur, intensifie ta gloire dans ma vie, dans cette église, dans toutes les églises de la ville de Brazzaville. Et dans la ville de Brazzaville, il faut que Dieu intensifie ta gloire. Il faut qu'on voit les occultes, les magiciens, les gens des sciences ésotériques se tourner vers Dieu pour dire nous voulons être sauvés. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Oh, je croyais que tu allais me dire un bon Amen. Quand on cherche sa présence, sa gloire se manifeste et sa puissance se manifeste. Quand on dit intensifie ta gloire, ça veut dire intensifie la manifestation de ta présence. Il faut qu'on sache que tu es vivant. Il faut qu'on sache que tu es réel. Il faut qu'on sache que tu as été crucifié et que tu es ressuscité le troisième jour. Il faut qu'on démontre la puissance de la résurrection. Mais la clé, c'est le Saint-Esprit qui intensifie la gloire, sa glorieuse présence. Voilà pourquoi dès demain, nous viendrons et l'Esprit nous conduira. Il se peut qu'à certaines heures, si tu viens par exemple à 10h ou à 15h, il n'y ait pas de conducteur, mais il y aura toujours un fond musical pour t'emmener, pour créer l'atmosphère de sa présence. On va beaucoup prier en langue. Si tu viens cette semaine et que tu vois qu'il n'y a personne dans la salle, rentre. Prosterne-toi. Intensifie ta gloire. Oh Rabako Sitaka. La Kareba Lele Sobara Yakota. Riamanda Bosia. Va prier. Chacun de nous cette semaine doit rencontrer Dieu. Oh non, mon ami, tu dois rencontrer Dieu cette semaine. Ne cherche pas ce que sa main peut donner. Cherche sa présence, tu trouveras sa puissance. Cherche la présence de Dieu, tu trouveras la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc cette semaine de jeûne, ça ne sera pas 60 heures de prière non-stop, mais ça sera 60 heures non-stop d'adoration, d'intercession, de contemplation, de louange. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Il le fera cette semaine. En venant avec des cœurs assoiffés de lui, il rencontrera ta soif et il te rassasiera. Quelqu'un me dit Amen.